Mais vas-y, le connasse là, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ça me tue de rire. T'as le pédale de merde, ça m'énerve, ça. Et ouais les gars, c'est comme ça que ce genre de vidéo doit démarrer. Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, oui il est 8h14, dès le matin on est déchaînés les gars. On se retrouve aujourd'hui pour un concept que j'adore, que j'ai créé, que j'étais l'un des premiers à avoir fait à l'époque. Mes abonnés sont populaires. Dans ma liste des abonnés, eh bien, je peux voir qui sont les plus populaires. Je peux voir, par exemple, que Sifano me suit absolument pas. Et le but de ça, en fait, c'est juste de découvrir d'autres vidéastes, de critiquer positivement, négativement, constructivement, de rigoler, de partir en couille, et c'est tout. C'est des vidéos où on se prend pas la tête. N'hésitez pas à vous abonner, parce qu'au moins, eh ben, vous ne raterez pas mes vidéos. Mes abonnés sont populaires. Mes abonnés sont populaires. Bon allez, direction dans le YouTube studio. Oh, vous pouvez voir mes statistiques. Oh, j'ai tout plein d'argent, je suis riche. Absolument pas. Merci beaucoup les gars, 39 418 abonnés. Merci à tous infiniment. Ouais, ça a changé l'interface. Et là, oh, c'est trop bien fait, je peux voir sur les 90 derniers jours, sur toute l'année. Et on peut voir par date d'abonnement. Mais non, ça veut dire qu'on peut voir mon tout premier abonné. Attendez, depuis toujours. Mais non. Les gars, ce qui se passe, c'est incroyable. C'est mon tout premier abonné, je le sais, c'est pas des conneries. What? Je ne sais pas qui tu es. Je sais que tu ne regardes pas mes vidéos. J'en suis persuadé. Mais Iwen Clochard, c'était mon tout premier abonné. J'avais 14 piges. C'était le 9 mars 2014. Et j'étais là en mode, mais attends, c'est un troll ce mec. Parce que c'était mon tout premier abonné. Je ne savais pas c'était qui, tu vois. Genre, j'avais commencé mes vidéos. Et moi, je me suis toujours dit, le gars, mais oui, en plus, c'était pas un troll. Parce qu'il est vraiment abonné à d'autres youtubeurs et tout. Et donc là, je peux voir mes tout premiers abonnés. On va changer le concept. Ça va pas être mes abonnés sont populaires. Ça va être mes abonnés sont vieux. Bon, les amis, ce qui va nous intéresser, c'est depuis toujours, évidemment, et on va mettre le nombre d'abonnés. Le plus populaire, c'est I Will Defeat Justin Y. Ah, mais c'est un gars qui est actif en plus. What is this? Interesting. I might as well accept. All right, well, thank. Wait, what's happening? Ah bah, du coup, j'ai pas la ref. Du coup, je comprends pas. J'ai pas compris la blague. Attends, Justin Y, c'est Justin Bieber? Who is Justin Y? Ah, il y a un Reddit. Oh! C'est un gars qui... En gros, c'est un gars qui est abonné à plein de chaînes populaires. Et c'est lui, donc ça veut dire que je suis populaire. Voilà. Mes abonnés sont populaires. Mas, je m'en rappelle, parce que mes premiers mes abonnés sont populaires, on l'avait déjà vu. Non, pas du tout, je sais pas c'est qui. 33 000 abonnés, non pas du tout, je sais pas c'est qui du tout. C'est joli n'empêche Minecraft Bedrock Edition. Bah, il fait sa petite aventure, tranquillou, mais pourquoi il a arrêté là, pourquoi il fait plus rien? Bah la bannière type Minecraft en vrai à l'ancienne, hein, genre c'était les... En vrai tu vois c'était les bannières qu'on aimait trop avoir bah, à l'époque et tout, quand Minecraft c'était le vrai Minecraft à l'époque, n'est-ce pas? Pas le Minecraft d'aujourd'hui, je veux dire à la Squeezie et tout. Mes abonnés. Naples, oh 16 juillet 2017, 10 000 abonnés pardon, Naples, je ne sais pas c'est qui. Oh. Il y a 4 ans, des vidéos astuces. Gagner des cartes cadeaux iTunes, Steam, Play Store gratuitement. Mais je veux savoir. Ce n'est plus d'actualité, mais je veux savoir. Bien, salut à toutes et à tous, c'est Nathan. J'espère que vous allez bien. Nathan. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Ah non, bah non. Vous téléchargez une application et justement, via cette application-là, vous téléchargez d'autres applications. En échange, vous avez des points et après, ces points, vous pouvez les échanger. Contre... Ouais, bah c'est du cashback quoi. Merci à tous. Bah merci Nathan du coup. Ah, c'est rigolo quand même. Et par contre, j'aime beaucoup le décor, voilà. Mais bah, voilà, bah il fait plus de vidéos non plus, hein. Mais visiblement, c'était des vidéos un peu astuces quoi. Mon avis sur l'Apple Watch, un smartphone pas cher, un peu des trucs high-tech et tout. C'est dommage parce que c'est des chaînes, pourquoi elles s'arrêtent comme ça? Tu vois, dans ses abonnés, il y a plein de références. Et puis il y a Mkolo qui est à quelque part. Mes abonnés. Ah, Tortue CH. Ah bah je me demande qui c'est Tortue CH. 8 septembre 2020. Ce gars c'est un beau gosse hein. Il fait, bah évidemment, vous connaissez Flight Simulator. Vous voyez que je regarde ses vidéos en plus là. Toutes ces vidéos Flight Simulator, vous voyez que je regarde. Alors des fois YouTube, je sais pas, il me met la barre au milieu. Mais pourtant j'ai regardé en entier, je sais pas si vous aussi ça le fait. N'hésitez pas à checker sa chaîne. On a déjà fait une vidéo ensemble si vous voulez la voir, elle apparaît ici. La Team Fly 3D, 21 janvier, 7000 abonnés. Du Minecraft, du Hunter, du SCP. Ah, c'est des courts-métrages, trop bien. Titanic, il y a une semaine. Oh, je veux regarder le court-métrage Titanic. Allez, popcorn. Cookie Corp Production.
Dans une heure, s'apprête à partir le bateau du Titanic. Il fait 269 mètres de longueur et embarque plus de 1300 personnes à bord. Et ils vont tous mourir! Ouh! On est bien loin de My Heart Will Go On de Céline Dion. On est compte, on va aller sur le Titanic là. Le grand bateau du siècle. Le plus grand bateau du siècle. C'est sûr. Solide pour tout. Heureusement que Ronald. Vous l'avez entendu le gars derrière. Le grand bateau du siècle. Le plus grand bateau du siècle. C'est sûr. Solide pour tout. Heureusement que Ronald. En plus, il était content de le dire. En vrai, ils avaient pas de texte, c'est obligé. Genre là, ils improvisaient. Le gars, il était tout content derrière. Le plus solide aussi. Et les gars, j'ai pas forcément pris la plus haute classe parce que vous avez dit. T'inquiète, ça sert à rien, paye pas trop cher, en tout cas vous allez couler donc. C'est super, attends, est-ce que tout le truc est comme ça? Bah je crois bien. C'est du génie ça, j'ai envie de donner mon avis alors que ça fait que 3 minutes 15 que je regarde, ok? Ça se trouve, c'est. Mais et les gars, c'est trop bien, en vrai. Je trouve, alors quand c'est bien fait en tout cas, je trouve que c'est super intéressant de voir des, genre bah en fait des courts-métrages comme ça, genre juste FPS, genre comme si tu jouais, enfin tu sais c'est comme si tu faisais un let's play si tu veux, et que t'étais RP tu vois, genre c'est mieux que d'avoir des cinématiques, des plans tout pourris éclatés en vrai, je trouve c'est super sympa en vrai, tu te sens la personne là en vrai, genre c'est trop bien, eh vas-y à cause de toi je vais foirer ma vidéo, je vais regarder 26 minutes de court-métrage. Il a l'air tellement solide. à chaque fois il y a une pépite. Il a l'air tellement solide, j'adore. Il fait une tournée cosplay qui est... Ah oui. Ah oui, il y a le fameux Pig. Vous pensez qu'il va faire la suite? Parce que là, il a pas longtemps, il y a Pig 2 qui est sorti. Donc... Oui, il y a Pig 2 qui est sorti, bah c'est pas... Non, en vrai, je suis désolé, mais c'est trop bien. Ça se voit, ils ont pas de texte. Ils ont peut-être une ligne conductrice, un fil conducteur, voilà. Mais ils ont pas de texte. Ouais, en vrai, je trouve ça trop intéressant. Excusez-nous, oui, excusez-nous, madame. Oui, je sais que vous avez perdu votre chat, mais. On a pris la basse classe, est-ce qu'on aura accès quand même au restaurant ou ce genre de truc? Oh non, vous inquiétez pas. Vous êtes... Non, tu bouffes tes doigts. Franchement, les gars, n'hésitez pas, je mettrai en description si vous voulez regarder si ça vous intéresse. Mes abonnés sont populaires. EZX Weezer, 11 juillet 2020, 7000 abonnés, voyons voir, il y a 2 semaines, ouais. Ah, il fait du Fortnite. Montage Say So. Oh, j'adore ce titre, Doja Cat. Non, j'ai arrêté des problèmes de droit d'auteur. Why don't you say so? Feel in love. Morgan Play, 3 janvier 2021, 1000 abonnés. Oh, c'est un DJ. Désolé DJ Map Music, mais là, on va écouter, on va voir ce qu'il fait. Fais péter. Les abordés, vous retrouvez Morgan Play tous les soirs, c'est parti sur la chaîne YouTube d'Mkolo, en live. Et tu bouges la tête. Ah c'est bien, j'ai plein de DJ qui me suit en vrai. Eh hein. Les gars, remixez mes sons les gars, j'ai un single, j'ai un EP, j'ai un nouvel EP qui va sortir bientôt. Remixez mes sons les gars, faites-vous plaisir, contactez-moi si vous voulez les acapellas, je vous envoie. Mes abonnés. Oh bah tiens, KevKevCo, 21 décembre 2020, 1000 abonnés, bah venez les gars, on va critiquer sa chaîne. Bonjour à toi jeune curieux, je suis un streamer Twitch passionné, et avec un énorme chibre, ah non, avec un énorme problème de sociabilité. Ah ouais? Vous voulez savoir comment j'ai rencontré KevKevCo? Ok, c'est parti. En gros, le contact en commun, c'était l'IDID, Section 5, sur Twitter. Puis moi, du coup, j'avais un peu vu ses streams, et je voyais sur ses streams qu'il avait un compteur de sub. Du coup, je l'ai contacté pour qu'il m'explique comment faire, et on a fait une convo pour un petit peu voir, et genre, il est pas sociable. Oh, bah, Félix le routier! Oh là là, il est abonné depuis le 5 avril 2020. Ça va faire bientôt un an qu'il est fidèle au poste. 2000 abonnés. Mais je savais même pas qu'il avait une chaîne YouTube. En vrai, il y a 4 ans, il a fait de l'urbex. Oh, Félix, je suis sûr, il s'attendait tellement pas à ce que je regarde sa chaîne. Oh, ça fait peur un peu, hein. Ah, gros, ça me fait trop peur, je suis désolé. J'aime pas ça. Ton patron, il t'autorisait pas à filmer, je crois. Putain, ce serait stylé ou que tu fasses des dashcams comme ça. Ouah, ce serait trop stylé. Moi, j'adore regarder des dashcams en ce moment. Ah ouais, il y a le Trucky qui fait des dashcams. Ah bah, c'est lui, dashcam 347. C'est lui que j'arrête pas de regarder. Mes abonnés. Emilien, 7 mai 2020. Ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait que je choisisse un nouveau numéro. J'ai choisi un numéro le plus facile du monde. Du coup, le numéro, je vais pas vous le dire, un peu con. Ouais, j'allais dire, il va quand même pas dire son numéro. Franchement, il aurait dit son numéro, j'aurais appelé direct. Alors, ça sonne, je décroche. Oui, allô, bonjour monsieur. Oui, j'ai un problème sur ma voiture. Vous avez bien le garagiste mobile? Ah, pas du tout.
Ah vraiment pas du tout. Ah mec, t'aurais pu faire une reconversion professionnelle là, t'as déconné. Le mec, il a failli être garagiste. Désolé du dérangement alors. Bonne journée, au revoir. J'en ai reçu 40. Un garage mobile qui en fait qui a dû changer de numéro entre temps. Putain, mais c'est génial. Et franchement, ce serait trop bien qu'il donne. Ce serait con de sa part, mais s'il donnait le nom du site du garage, bah on connaîtrait son numéro du coup. Et je l'appelle, ce serait trop bien. Ce qu'ils font les gens, c'est qu'ils appellent ce numéro et ça tombe sur le mien. Mais bordel de merde. Ne t'énerve pas Emilien, Mes abonnés. Rudy Chaud, 3 août 2020, 872 abonnés. Eh, oh non. Mais non gros, tu peux pas t'appeler Rudy Chaud s'il y a pas de show. Alain David. Mon retour de vidéo lag dans la vidéo et sans... Attends, là, il est en facecam. Mais c'est con, c'est vieux. Ça date de 2019. C'est dommage. Pourquoi il a des pouces rouges? Oh, c'est quoi ces connards, là? Oui, bah c'est sûr, c'est pas agréable à regarder. Mais vas-y, l'autre connasse, là, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Mais vas-y, l'autre connasse, là, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Les gars, je... Si jamais tu passes par là, Alain David, 51, est-ce que tu m'autorises... J'ai envie de trop... J'ai envie d'utiliser cette séquence comme mème. Genre, je sais pas... genre, une alerte follow sur mes lives. Mais vas-y, le connasse, là, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ça me tue. Ça me tue de rire. J'adore. Ne lague pas. Voilà. Putain. Allez. Putain, le pédale de merde, ça m'énerve, ça. Voilà, et maintenant, je vais payer le feu rouge. Non, stop. Je me moque pas, mais par contre, il est énervé de ouf, ça fait trop chier, mais c'est tellement drôle. Alors, et maintenant, je vais payer le feu rouge. Putain. Ah, c'est cette putain de pédale de frein. Ah, il parle de la pédale de frein. À chaque fois, il me fait le coup. Il a plus de problème, regardez sur sa deuxième partie de vidéo. Ah non, c'est dommage, pourquoi il a arrêté? Ah non, c'est bien, là. Casse les burnes. On a l'impression qu'il a toutes les merdes qui lui arrivent quand il parle. Non, par contre, vraiment, ne t'énerve pas. Angelica Archangelica, 27 novembre 2016. Ouah, c'est vieux. Bah là, j'ai remis depuis toujours pour voir un peu. Histoire d'horreur. Attention, cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Oui, bah, je suis trop jeune. Je suis trop jeune, j'ai peur. Non, mais je regarde pas. Je suis désolé. Non mais vraiment, j'ai peur. Eh, vous savez ce que j'ai envie de faire? Ça fait longtemps que je l'ai plus fait. C'est un peu narcissique, je le conçois parfaitement, mais j'ai envie de chercher Mkolo sur YouTube. Oh d'ailleurs, il y a un... Je l'adore, il y a un YouTuber Eurotruck qui a parlé de moi, voilà. Qui présente un peu des YouTubers Eurotruck, ça m'a fait super plaisir. C'est Félix Le Routier qui m'avait envoyé sur Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. L7C Fox. Et il a bien prononcé mon pseudo en plus, enfin vraiment beau gosse. Et il continue toujours, c'est Mkolo. Voilà, je pense que je le prononce bien, Mkolo. Eh ouais, putain, et ça fait plaisir parce que les gars, le nombre de personnes qui m'appellent MC Colo, Mac Colo, putain, quand on m'appelle Mkolo, tu sais que vous êtes... En fait, c'est ça. On fait un test, tous ceux qui m'appellent Mkolo, eh ben tu sais que c'est des vrais en fait. En fait, c'est ça ce qui est bien avec mon pseudo. Tu sais que c'est des vrais parce que ceux qui t'appellent MC Colo, c'est des gars qui sont pas renseignés. C'est les gars qui viennent te découvrir mais qui savent pas quitter en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? 39 000 abonnés. Merci voilà, les gars. 39 000 abonnés. Pour moi, je l'ai appelé le petit nouveau. Puisque première vidéo de TS2 à la découverte du multi, il a fait il y a 10 mois de ça. C'était en mars 2020. Et fin mars 2020, il a fait sa première vidéo de TS2 solo. Il continue toujours, il a fait une carrière je crois à zéro là actuellement. Et il a fait oui par rapport à l'événement qui se passe de Euro Truck Simulator 2 sur le Covid. Covid. Oula, attention, véhicule en panne, un fourgon en panne hein, avec la dépanneuse et tout. C'est rare quand on voit une dépanneuse. Ok, ah, bon, Mich, elle est... Non, mais si, on a déjà vu une dépanneuse. Hein. Donc voilà. Cette scène, elle est quand même vachement... J'adore. Alors, Mkolo, pour moi, qui est le petit nouveau de cette fin d'année 2020 et qui continue d'ailleurs sa série sur 2021, avec aussi, je sais qu'il fait des lives sur Twitch, voilà. Et un dernier... Mais ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Il parle pas juste pour parler, en fait. C'est ça ce qui est ouf. Voilà. J'ai pas liké. Mais quel enculé. Mkolo Live, c'est ma chaîne secondaire, les gars. N'hésitez pas à aller checker, les gars. Devinez ces youtubeurs, pixel art. Ah, je pense pas que je suis dedans. Hein. Tu sais, des fois, quand tu tapes Mkolo et que tu tombes sur ce genre de vidéo, je me dis, ouais, je suis peut-être dedans, en fait. Mais je pense pas, c'est juste l'algorithme. Merci à Killian's Fall. Bah voilà, Killian's Fall, je le connais.
C'est un abonné. Oh, oh, j'apparais dans la vidéo. Je suis famous. Plusieurs personnes qu'on connaît, des célébrités, tout ça, et juste avoir le partage. Mais ou mais quoi? Ça veut dire que je suis une célébrité? Personnage suivant. Oula. T'as intérêt à le trouver, lui. Ah, c'est moi. C'est un youtubeur, un personnage? C'est un youtubeur. C'est moi, les gars. Oh bah merde. C'est pas Collins. Non. Il fait quoi sur YouTube? Bah il fait des vidéos gaming. On l'a déjà vu sur ta chaîne. Non. C'est M'Kolo. C'est... Bah si, c'est M'Kolo. Allez vous abonner à M'Kolo, hein, parce que c'est un super youtubeur. Ça c'est Doc. Ah, pardon. Ah bah allez vous abonner à la chaîne de Overland Crab et aussi à celle de Killian Falls. Wesh! Eh ben ça fait plaisir les gars. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, si vous aimez bien un peu ces vidéos bah, qui changent finalement de mes autres. Voilà. Et puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. On se quitte en musique avec du Taiga. Direction Ibiza. Pouce bleu! Alors, on a mis. Et je roule et je roule sous l'emprise de l'amour et la foule me regarde pensif quand je mène la vie d'un roi mais seulement quand elle est là. Et je roule sous l'emprise de l'amour et la foule me regarde pensif quand je mène la vie d'un roi mais seulement quand elle est là. Et je sème, je plante et je cultive et je l'aime, j'ai son odeur en moi et je mène, la vie d'un roi mais seulement quand elle est là.